Et bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un livre de coloriage parce que j'en ai filmé une juste avant et je me suis aperçue qu'il y avait celui-ci aussi. Donc me voilà avec donc le Fairy and Fantasy 5 en grayscale toujours donc de Christine Caron. Donc ça c'est le dernier sorti. Voilà, cette fois-ci je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment le dernier sorti et pas entamé du coup celui-ci. Hop. Oui, je pense à faire une petite croix quand j'en fais un dans un des livres. Parce que c'est vrai qu'il y a le récap. Pour me permettre de savoir vraiment où j'en suis. Oh là là, c'est beau. Il pourrait. Enfin non, pour l'automne, celui-là. De bon. Oh, trop mince. Oh. Je suis en train de me dire, mais je l'avais peut-être pas feuilleté celui-ci. C'est la courbe. Oh, tu petite mimi. Quel talent, franchement. Oh, oh. J'aime beaucoup trop. Celui-ci, je le kiffe. C'est beau, hein. Vous pouvez pas dire que c'est pas beau, hein, franchement. Oh là là. Ils ont ses yeux. Oh là là, j'adore. Et je crois que je vous l'avais dit. Celui-là, j'aurais voulu que ce soit l'inverse. Ouais. Que ce soit le garçon le plus grand et la petite fille la plus petite. Ça aurait été cool. Les bouchons. Tiracool. Mon ventre qui grogne, pourtant j'ai mangé. Hein. C'est mignon. C'est juste le papier qui est moins cool, mais bon, voilà. On aime trop, donc on fait quand même. Voilà. Non, franchement, c'est vraiment des pépites. C'est vraiment trop beau. C'est vraiment trop trop beau. Voilà, c'est vraiment agréable à mettre en couleur en plus. Donc, je peux que vous conseiller Christine Caron. Voilà, c'est vraiment une illustratrice que je suis et que dès qu'il y a une sortie, j'achète. Ça, c'est clair et net. Donc voilà pour cette petite présentation. Je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt, bah, la prochaine, parce que il y en a qui attendent derrière. Des bisous.